Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi. Amen. Oui, Jésus, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Jour, chaque nuit, à la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Ah, oh oui, parle-moi, Seigneur. Oh oui, parle-moi, Seigneur. Jésus, parle-moi. Jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 133. Psaume chapitre 133. Psaume 133. Nous lisons la parole du Seigneur. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager? Tant qu'il nous a l'amour convaincant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Seigneur, car tu prends soin de moi. Personne ne le fait, oui, je te loue, je t'adore et je glorifie. Ton Saint-Nom soit béni encore ce soir pour cet amour que tu nous témoignes, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment de notre vie, Seigneur, depuis les temps où toi, tu nous as connus, Seigneur, que tu as voulu, Père Tout-Puissant, que nous puissions être à toi, Seigneur. Louange et honneur à toi pour ta préscience, mon Seigneur. Nous te disons merci. Tu es vraiment Dieu. Oh Dieu, tu le mérites d'être appelé Dieu. Et comme tu l'as dit aussi avec certitude que avant moi n'a point été formé de Dieu et après moi il n'y en aura jamais. Nous ne voulons pas un autre Dieu, Seigneur. Gloire te soit rendue parce que nous avons vraiment goûté et réalisé avec des preuves, Seigneur, avec des témoignages, mon bénévole Père Tout-Puissant. Gloire et hosanna. Alléluia. Que tu sois vraiment adoré, Seigneur. À être adoré dans les cieux et sur la terre, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi.
Béni soit ce nom. Fais que merveilleux, béni, Père Tibissant. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni, Père Dieu. Merci parce que tu es le Dieu qui fait toutes choses à merveille, Seigneur. Gloire à toi. Lorsque tu commences l'œuvre, mon roi, tu l'achèves toujours, mon béni, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous sommes confiants. Ce qui est autour de nous ne peut pas nous troubler, Seigneur. On va être perturbé, Dieu, troublé par quoi que ce soit, mon béni, Père Saint-Dieu. Notre cœur est vraiment serein. Nous avons confiance. Nous avons l'assurance, mon roi. Parce que tu as dit que Père ne craignait point. Louange et honneur à toi. Merci pour ce soir. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. L'adoration, Père, la prière, les psaumes. Mon Dieu, mon âme, tes reconnaissances pour tout ce que tu fais. Tu es le seul sur qui nous nous reposons, Seigneur. Et en qui nous avons vraiment confiance, mon roi. Oh, comme la Bible dit, Père Tibissant, que peuvent nous faire les hommes, mon roi? Que peut même nous faire le monde, mon bien-aimé, Père Tibissant? Parce que tu dis que nous sommes plus que vainqueurs, mon roi. Nous avons la victoire, mon bien-aimé, Père Dieu. Nous le reconnaissons, mon roi. Nous le croyons aussi, mon Seigneur. Louange à toi, Jésus, mon roi. Béni soit ton saint nom. Tu es le puissant conquérant, mon roi. Tu as vaincu, mon Seigneur. Nous nous reposons que sur ta victoire à toi, mon Seigneur. Nous sommes heureux de voir réellement ta voix comme maître. C'est lui qui nous conduit, Seigneur. C'est lui qui nous instruit encore dans ces temps où nous sommes, Seigneur. Seule ta lumière à toi nous éclaire. Par ta lumière, Père Tibissant, nous voyons, béni-aimé, Père Tibissant aussi, la lumière, mon roi. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Et sois béni pour ce que tu fais, mon sauveur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Mon âme te loue et mon âme te glorifie et t'exalte encore. Merci. Merci. Oui, Père. Tu le mérites, mon Seigneur. Sois donc exalté. Sois donc adoré encore, mon roi. L'honneur, la crainte, mon bénémoine Patricien. Le respect t'est dû, mon Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, mon roi. Que dans les lieux très hauts, que tu sois adoré, Seigneur. Que tu sois exalté, Seigneur. Notre cœur et notre âme dans la joie, Seigneur, de savoir que tu es vivant. Mais parce que tu es vivant, mon Seigneur, nous vivons aussi également, mon Père. Oui, merci, Père Dieu. Oui, la louange, si aux hommes droits, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, nos cœurs s'élancent vers toi pour te dire combien tu es bon, mon Sauveur. Merci pour ces instants bénis, Seigneur, oh Dieu, pour ta présence. C'est ce que nous désirons, ce que nous cherchons tous les jours, tout le temps, Père Tibissant, dans nos rassemblements. Nous avons besoin de ta présence, toujours, Père Saint-Dieu, parce que permanente, mon roi, parce que tu es le Dieu vivant. Merci, merci encore pour ce que tu fais. Merci encore pour ce que toi, tu es en train de faire et ce que tu feras encore, mon Sauveur. Nous sommes à toi, Père. Garde mon frère, garde ma soeur, bénis chacun, que nos cœurs soient unis encore ce soir. Oui, Père, parce que nous sommes ton peuple, mon Sauveur. Louange à toi, béni soit ton Saint-Nom. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, ce que tu as fait encore ce soir, ce que tu continues encore à pouvoir faire. Nous le recevons avec reconnaissance et nous te remercions vraiment pour ta présence divine, mon Sauveur. Béni soit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car nous t'avons ainsi prié en son nom. Amen. 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 Oh, que son Saint-Nom soit béni, qu'il soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est le nom le plus glorieux que nous avons hérité et que nous voulons porter vraiment avec beaucoup de reconnaissance et la crainte aussi. Pour que lorsque le monde nous voit, qu'il réalise que nous sommes vraiment différents de tout le peuple. Parce que nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage que sa main puissante conduit. Que notre Dieu bénisse chacun de vous tous. C'est vrai que nous pouvons nous écrire aussi comme David qui disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est pas possible qu'on ne le soit pas en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas un endroit où je peux me réjouir si ce n'est que là où son nom est
est invoqué. Je ne viens pas sans, je n'ai pas ça pour voir regarder les autres, mais je viens pour prendre part à ce que. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, réjouissons-nous. Réjouissons-nous que nous entrons avec un cœur bien disposé, préparé. C'est à cela que nous devons tous apprendre. Qu'avant de pouvoir entrer ici, nous prions. Nous venons parce que, Seigneur, il y a vraiment un rendez-vous que nous avons avec toi. Nous savons qu'avec toi, nous sommes vraiment heureux. Ta présence nous réjouit. C'est pour ça que quand on vous regarde, que vous êtes, que vos visages ne soient pas toujours comme ça, comme si c'est pas bon ça. C'est pas le visage d'un fils de Dieu ça. Peu importe le problème que tu peux avoir, ton visage doit toujours constamment rayonner. La joie doit se voir sur ta face. Pourquoi? Parce que Seigneur, merci, je suis arrivé à cet endroit. Être là où ton nom est invoqué, chanter les chants de Sion pour ta gloire et savoir que je sers le Dieu vivant. Tout derrière moi est oublié. Maintenant, c'est le présent. Être dans ta présence. C'est important, ma soeur. C'est important aussi, mon frère. Peu importe le fardeau que vous avez sur le cœur, nous devons toujours avoir un regard et les yeux toujours tournés vers le Seigneur et avec un cœur réjouissant pour notre Dieu. Nous l'avons entendu les psaumes. Il a dit, c'est le psaume 133, « Voici au qu'il est agréable, qu'il est doux. » Ça doit être agréable pour toi. Et sentir aussi cette douceur pour deux frères. Sinon, de demeurer unis donc ensemble. Quand nous venons, nous devons avoir ce cœur disposé que je veux me retrouver avec mon frère. Je veux me retrouver avec ma soeur. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir les dire ici. C'est parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. Sa prière qu'il a eu à pouvoir prier, élever sa voix dans Jean 17. Souvenez-vous de cela. Notre Seigneur n'a jamais prié pour qu'il y ait ce qu'on appelle une division au milieu de siens. Je parle bien au milieu de siens. Il a bien insisté en priant qu'il soit un. Donc l'unité et ce que nous pouvons voir que tous ceux qui ont été appelés par le Seigneur effectivement pour le servir, ils ont toujours été conduits par le même esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit du Seigneur qui dans ses serviteurs travaille. Et vous pouvez voir effectivement même comment l'apôtre Paul parle toujours, je pense même dans le livre des Éphésiens, par exemple chapitre 4, effectivement aussi, hein, je pense que c'est cela, Éphésiens au chapitre 4, il est dit, je pense c'est cela, nous pouvons le retrouver ici, Éphésiens donc au chapitre 4, voilà, je vais aller un peu plus loin, Éphésiens au chapitre 4, oui c'est ça, voilà. Nous y sommes. Éphésiens au chapitre 4, regardez bien, verset 1, il nous dit, « Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Vous vous souvenez, non? Chacun de nous, effectivement, si nous sommes assis dans cet endroit, louant le Seigneur, c'est parce que chacun, d'une manière aussi individuelle, a reçu pas un appel d'ensemble. Mais un appel effectivement individuel. Chacun a été appelé et son nom a été aussi cité. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Je crois que si moi je me rends compte que mon nom a été cité par Dieu, je ne peux pas rester insensible. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous, frères et sœurs. Tout ce qui vous alourdit là, frères et sœurs, vous savez, ce sont des choses auxquelles vous n'avez pas arrivé à pouvoir tourner toujours le regard. Vous devez toujours tourner le regard vers celui qui a dit, tout est accompli. Frères et sœurs, parmi les fils et les filles de Dieu, je parle bien des fils et des filles de Dieu, il ne peut pas y avoir de doute, même pas d'incrédulité en fait. Si jusqu'à ce jour les doutes subsistent encore en toi, tu n'es pas encore arrivé. C'est important que nous comprenions toutes ces choses. C'est pour ça que dans nos rassemblements, le Seigneur nous parle pour nous amener toujours à un niveau beaucoup plus élevé. Nous ne devons pas toujours rester de bébés auxquels on donne toujours des biberons, effectivement, et tourner toujours avec le même problème. Non, à un certain moment, on doit toujours regarder maintenant les problèmes du haut. Et bien sûr, mon frère, c'est nécessaire. Autrement, frère et sœur, où allez-vous? Parce que le Seigneur veut des hommes faits.
des personnes, effectivement, qui ont la connaissance, effectivement. Parce que s'il nous apprend des choses, c'est pour que nous puissions avoir la connaissance, avoir ce qu'il faut faire. Alors, il dit bien que, il dit, mais je vous exhorte donc, moi, les prisonniers de Christ, dit le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Le celui qui vous a appelé est saint. Et alors, c'est la sainteté avec laquelle nous devons marcher. C'est-à-dire qu'on ne doit pas te supplier, toi, frère et sœur, de voir soupirer à être conforme à ce que Dieu veut de toi. De toi-même, au plus profond de toi, il y a déjà des choses que le Seigneur a placées en toi. Qui, quand on nous a un peu amené dans le floutage, effectivement, comme le diable le fait souvent, que la lumière vient, toi, tu cherches la lumière. Tu sens qu'effectivement, que je me sens bien dans la présence de Dieu. Alors, il continue en disant, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec toujours. Vous vous souvenez, on avait lu la fois passée. Donc. C'est ça, ma soeur. C'est vrai que c'est important. Vous dites que ah, tous les jours, ça ne marche pas, Seigneur. Mais ça ne marche pas parce que vous ne vous donnez pas à Dieu. Parce que, frère et soeur, tout doit marcher. Il nous dit dans le proverbe, mais recommande tes œuvres à l'Éternel et tous tes projets réussiront. Parce qu'ils ne vont pas échouer. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. L'écriture ne peut pas mentir, ce n'est pas possible. Ce que Dieu. Le problème, c'est toujours nous. Nous. Ah, nous continuons d'abord. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de quoi? De conserver l'unité de l'esprit par les liens de quoi? Il a toujours dit que la paix soit avec vous. Qu'il est doux. Voici oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. Quand nous avons la même foi, nous avons le même Seigneur, nous avons la même parole, tous ensemble, frères, d'un commun accord, le lieu doit trembler. Oui, mon frère, c'est parce que dans nos cœurs, il y a des divisions. Jusqu'à quand comprendrez-vous, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas votre malheur? Le seul qui veut votre malheur, c'est le diable. Mais ne lui donnez pas la main, mon frère et ma sœur. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je crois, vous savez, dans ces lieux ici, Dieu peut faire de grandes choses. Il y a, je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère qui me disait, ah oui, c'est quoi, c'est la soeur Allegria. Il dit, mais comment ça se fait que c'est toujours à l'étranger? Que Dieu secoue comme ça, et parmi nous aussi, je sais qu'il le fait aussi. Mais vous savez qu'il peut faire encore beaucoup plus. Vous êtes conscient de cela. Mais les problèmes, c'est vous-même. Il faut être sincère. Même quand vous venez, le cœur est comment? Regardez comme le psaume le dit. Voici où qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères. On dit bien, pas pour des ennemis. Eh bien, il dit, mais pour des frères. Qui est ton frère? Qui est ta sœur? J'ai toujours arrivé à pouvoir vous ramener toujours au jour de la Pentecôte. Ces jours-là, ah oui, je crois que. Vous savez que maintenant à l'étranger, on m'appelle effectivement parce qu'ils veulent entendre la parole. Je dois continuer. Même, c'est que, oui, oui, c'est vrai, frère. Depuis que le Seigneur a secoué de l'autre côté là-bas, je reçois des appels, effectivement, je dois prendre la Bible avec en anglais pour il faut continuer pour voir les. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que. C'est la vérité, frère et sœur. Oui. C'est parce que je me souviens, c'est hier que j'étais en train de pouvoir porter la parole là-bas. Et c'était là, effectivement, pouvoir écouter aussi la parole. Alors, c'est la Bible nous fait savoir. Regardez, dans les livres des actes, effectivement, aussi, vous vous souvenez, nous y référons toujours. Parce que c'est le modèle. Pour que toi et moi, nous sachions, nous comprenons qu'effectivement, que nous faisons pas. Parce que, comme je le disais, et les gens clament toujours, ah, les messages, ça fait donner l'épouse. Et nous sommes l'épouse. Vous dites, nous sommes l'épouse. Mais en fait, frères et sœurs, c'est pas le verbier, c'est pas la bouche qui vous a dit que tu es l'épouse. Tu dois regarder comment était l'épouse. Pour voir que si moi ici, je suis de l'épouse, hein, je dois avoir toutes ces caractéristiques-là. Mais c'est vrai, prenez un exemple. Moi, je suis masculin.
Ah, je vous donne un exemple. Je suis masculin. Vous me voyez, non? Vous voyez ma poitrine? Je ne peux pas commencer à dire, on a mettre les talons pour dire, si je suis une dame, non, il y a un problème. Parce qu'une dame ne peut même pas forcer de pouvoir te faire dame. La dame, comme vous êtes, Dieu vous a fait merveilleusement. Tout ce que vous êtes, c'est pour ça que ceux qui sont, vous cherchent à être comme vous. Parce que quand Dieu vous a conçu, il a conçu parfaitement. Il vous a donné tout ce qui est nécessaire. La nature que vous avez, je ne vais pas faire des détails. Vous ne pouvez pas copier. Et puis, venez pas vous battre pour dire, 5 pouces, je donne un exemple. Est-ce que vous comprenez? C'est naturel. Mais quand je ne suis pas une femme, je vais me faire mettre des piqûres. Est-ce que vous comprenez? Mais la véritable femme n'a pas besoin. C'est-à-dire que toutes ces choses sont en elle. Et on la regarde, on l'apprécie dans ce que Dieu a fait d'elle, effectivement. C'est tout. Vous voyez, tout ce qu'il y a dans le monde, effectivement, qui se passe aujourd'hui, cela quand même vous apprendre quelque chose. Alors, si toi, tu te dis que je suis de l'épouse, les caractéristiques d'une épouse doivent être en toi. Je disais, là-bas, comme on disait, oui, le message, si tu ne crois pas le message, ben, tu ne vas pas être sauvé, tu ne vas pas partir de l'épouse, ainsi de suite, effectivement. Vous devez me comprendre. Mais j'ai dit, mais c'est faux. C'est 100% faux. Bah oui, c'est 100% faux, et faux, faux, et faux, et faux, et 100% faux encore. J'ai dit, le message ne peut pas, je ne peux jamais faire de toi une épouse. Jamais. Non, 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 il n'y a aucun message qui fait de toi une épouse, qui fera de toi une épouse. Non, jamais. Parce que l'épouse a toujours été l'épouse. Oui, oui, oui. Dieu a fait quelque chose de tellement merveilleux en nous donnant Ève, d'une manière assez extraordinaire, l'image d'Adam et d'Ève. Où était Ève? Quand Dieu a créé Adam, où était Ève? Mais Ève n'était pas nulle part autre que dans Adam. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est maintenant, quand Dieu a voulu maintenant faire sortir, donner l'être semblable, qu'il a endormi. Qui ça? Il n'a pas endormi un cheval. Non, il a endormi l'homme pour prendre ce qui était en lui. Alors, l'épouse, il était où? Mais l'épouse, mais il a dit bien, je veux que vous puissiez voir, frère, ça. En fait, que vous puissiez bien être, vous comprenez ça pour ne pas penser qu'à frère. Non, non, c'est biblique. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le Seigneur montre le parallélisme, en fait. Vous voulez qu'on le lise, non? Bon, voilà. Éphésiens, au chapitre 5. Pour qu'on ne vous puisse pas vous amener des philosophies, des choses comme ça, inutiles pour vous égarer. Non, il faut que vous puissiez rester dans les saintes écritures. Éphésiens chapitre 5, il nous dit ceci à partir du verset 22, je pense, c'est cela, oui. Regardez très bien comment Dieu présente ces choses. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme... J'aime bien quand vous avez vos Bibles. Ça fait du bien parce que moi, je lis, vous voyez aussi. Hein? Et puis, car le mari est le chef de la femme, vous comprenez, non? Comme Christ est le chef de... Vous entendez bien? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de... Les diables viendront toujours pour renverser les rôles. Vous ne soyez pas là-dedans. Le monde va renverser, mais vous, non. Vous, vous devez rester dans la ligne. Alors, il dit, qui est donc son corps et dont il est le sauveur? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être aussi à leur mari en toutes choses. Vous connaissez cela, non? On en a parlé, non? Est-ce qu'il faut encore entrer dedans? C'est compris, non? Non seulement c'est compris, mais c'est cru. Est-ce que vous croyez? Ma soeur, est-ce que tu crois cela? Parce que je sais que vous me regardez. Il faut que la parole pénètre en vous. Pas dire, oh mon mari, il est comme ça. Il n'y a pas de mon mari, il est comme ça. Moi, Dieu m'a fait comme ça. S'il a fait comme ça, il a donné les capacités de pouvoir agir comme ça. Peu importe ce que mon mari fait, moi je crois. Mais, j'avais toujours dit, cette soumission dépend de la Sainte Écriture. Vous m'avez compris? Vous souvenez? Ok. J'espère de tout mon cœur que c'est compris. Amen. Dieu vous bénisse. Marie, aimez vos femmes. Vous vous souvenez? Nous avons parlé de Marie, n'est-ce pas, non? Comme. C'est toujours les soeurs qui disent amen. Bon, j'entends pas les Marie. Marie, aimez vos femmes. Amen. Marie, aimez vos femmes. Amen. Il n'y a pas beaucoup de maris ici.
Tu sais, oh oui, oui, bon. Ah oui, bon. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. N'est-ce pas? C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre. Vous comprenez? Maintenant, on nous dit, celui qui aime sa femme fait quoi? Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu n'a pas pris encore étranger. Il faut que l'homme comprenne. C'est surtout, en fait, nous le croyant. Donc, la femme dont on parle, effectivement, qui doit être. Vous connaissez dans le proverbe 31. La femme qui doit être louée et honorée. Vous comprenez cela? C'est laquelle? C'est celle qui craint. Voilà. Vous comprenez? Alors, maintenant, on lui dit, comme, il dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car, écoutez bien, vous voyez la relation toujours par ces questions. Car personne n'a haï sa propre chair. C'est pourquoi que Dieu n'a pas pris autre chose. Mais oui, dans la Genèse, on dit qu'il a donné de nom à tous les animaux, mais il ne trouva pas une aide semblable. C'est écrit comme ça, non? C'est pour ça que Dieu l'a endormi. Il n'a pas pris autre chose que sa propre chair. Là, il a tiré, effectivement. Il dit, puis il a dit, mais voici donc, c'est toujours dit, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Vous vous souvenez quand même? C'était qui dans Genèse, non? Os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce que tu as été tiré de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il dit, là, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à. Ah, ils deviendront. Ah ah. Tchikatakutu, tchokatu. Vous voyez, vous vous précipitez. Ah, je t'aime. Je voudrais que tu sois ma femme. Je t'aime. Je veux que tu sois mon mari. Comprenez très bien ce que ça veut dire. C'est vrai qu'il y a des pulsations. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Je comprends. Mais les pulsations vont passer. Et c'est la vérité. Hein? Toutes ces pressions-là, vous aurez tout ça, ça, mais ça va passer. Mais quand ça va passer, c'est le caractère qui va maintenant se développer et se montrer. Puis vous commencez à vous gratter la tête. Seigneur, est-ce que j'avais fait un bon choix? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous dites, ah, le Seigneur m'a montré, soyez sûr et certain. Pas après avoir fait des cauchemars, puisque tu as vu la personne avec tout ce qui t'a fait comme des draps serrés. Et puis, tu as. Mais c'est vrai, ça. C'est la vérité, ça. Vous savez comment ils font ça? Ils vont passer devant toi quand pour faire les défilés de mode. Hein? Avec les draps bien serrés pour que tu vois la démarche. Tu sais, peut-être comment ça va devenir comme quelqu'un qui est ivre. Et puis, tu vas dormir. Seigneur, aide-moi. Et les rêves te donnent la chose. Mais tu dis, alléluia. C'est pas Dieu. C'est pour ça qu'après, vous allez voir, le combat, il commence à me dire, mais pourquoi? Mais après l'amour, il n'y a pas la haine. S'il y a l'amour, il doit toujours y avoir l'amour. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut qu'on sonne maintenant. Ils sont encore là, les jeunes qui regardent, qui écoutent, effectivement. C'est pour ça, vous, parents, tirez bien les oreilles. Amen. Et vous regardez les énormes, effectivement, qui commencent à pouvoir porter les pantalons serrés et puis non, pas tourner au petit autour des jeunes sœurs qui chantent. Il faut tirer les oreilles. Il faut dire, toi, tu as encore besoin qu'on prie pour toi. Oh, maman, je sens la pression ici, ici, il n'y a pas. Ici, il y a la délivrance d'abord. On prie pour toi, que tu rentres dans les choses de Dieu. Alors, quand tu auras bien compris. C'est comme ça que parfois, les jeunes filles aussi, la même chose, hein. Les yeux commencent à. Il vous serre là et puis il porte des vêtements un peu portés comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va voir avec ce saint? Parce qu'il est le tien. Pourquoi tu veux toujours qu'on voit comment il est bon? On n'en a pas besoin maintenant. C'est vrai quand même. Mais dans la face, à ce moment-là, on peut, parfois on met double soutien. Vous pensez qu'on ne sait pas tout ça?
On peut voir ça, parce qu'on est bon, mais c'est parce qu'on a mis trois soutiens. Et oui. Il ne faut pas vous tuer pour ça, ça sert à rien. Oh, simplement être simple. Dieu, quand il a fait son choix, il a choisi pour toi. Soyez... Bon, bref, nous continuons, on peut nous en intermédier. Ah, vous savez que vous pensez que Dieu ne sait pas tout ça, il sait, hein. On sait, frère. Car jamais personne, verset 29, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que, écoutez bien maintenant, nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? Et les deux deviendront une seule. Mais c'était où qu'on a lu ça? Genèse. Et il nous ramène ça ici. Donc vous voyez, dans Genèse, d'où venait donc la femme? Mais était dans l'homme. Et puis nous continuons, il dit non. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ donc et à... Dirais-je que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte donc son mari. Voyez le parallèle en fait. On a parlé femme et puis église. Ça veut dire que c'est exactement donc l'épouse est venue donc de Christ. Donc il n'y a pas un message qui va faire de toi l'épouse. Le message est de ton mari qui te dit, toi tu n'es pas comme les autres. Regarde-toi. Parce qu'avant que tu sois dans ce monde, j'avais fait de toi comme ça. Tu ne le voyais pas, maintenant je vais te montrer. Regarde maintenant, quand tu pries, vraiment que ça se passe. Pourquoi quand tu entends la parole, il est fait comme ça? Mais c'est parce qu'en toi, j'avais placé ça. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire, mais, ah, c'est la vérité, quand j'entends, c'est vrai. Mais oui, mais c'est parce que c'était en toi. Ce n'est pas venu quand tu as entendu. Non! Non, 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 non! Tu ponctues d'un amen, parce que c'était en toi. Voilà ce que nous devons. C'est pour ça que nous devons toujours avoir confiance dans la parole du Seigneur. Lorsqu'il dit, la chose doit absolument arriver. Et comme je l'ai toujours eu à pouvoir, vous le dites, aïe, j'ai dit, que vous le croyez ou pas, je vais le répéter encore, que vous ne croyez ou pas la parole de Dieu, cette parole, elle va vraiment s'accomplir dans le moindre détail. Que vous aimez le Seigneur ou pas, le Seigneur, il aura toujours des femmes et des hommes, c'est-à-dire des fils et des filles qui vont l'aimer de tout leur cœur, même s'ils passent par la vallée de l'ombre de la mort. Dans les difficultés les plus intenses de la terre, leur cœur ne changera jamais pour l'amour de ce Jésus. Ils ne l'aiment pas parce qu'il leur donne quelque chose. Non. Et ce que glorie la fille de la sœur. Bambino peut aimer sa maman parce que la maman lui donne des bonbons tout le temps. C'est sa mère. Et là, c'est sa maman. Donc, tu ne peux pas se passer de la maman. Donc, c'est-à-dire que l'amour est là. Que maman frappe toujours maman. Que maman crie toujours maman. Que maman pousse, elle vient toujours vers maman. C'est que la profondeur appelle la profondeur. Donc, nous n'aimons pas Dieu parce que nous voulons fuir l'enfer. Non. De toutes les façons, je sais que l'enfer n'a rien à voir avec moi. Tu comprends, ma soeur? C'est important cela. Mais si toi, tu ne comprends pas cela, tu iras certainement en enfer. Tu pourras avoir beau chanter pour faire les choses que tu peux faire, mais l'enfer t'attend. Vous savez, je termine. Nous aimons Dieu. Il a prié, non? Amen. Seigneur, aide-le pour qu'il puisse nous aider à pouvoir avoir la parole. Que Dieu te bénisse. Il prie pour moi, ça m'aide, merci. Maintenant que Dieu veut nous donner la parole, on doit se réjouir, non? Amen. Dans le livre des Thessaloniciens, mon frère et ma soeur, nous pouvons le prendre ensemble. Nous prions et puis nous lisons ensemble. Voilà.
Parce que c'est 2 Thessaloniciens, je pense que ce sera 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Nous lisons ici, Matthieu verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors apparaîtra effectivement l'impie que le Seigneur Jésus détruira par les soupes de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, toujours mensongers. C'est ce que je vous disais l'autre fois, dit, mais là, il y a des miracles là-bas, effectivement aussi, mais tous ces gens-là sont en train de posséder des adorateurs de Satan. Parce que quand la parole de Dieu touche leur corps, ils se convertissent, ils commencent à se repentir. Ah, les prêtres nous avaient amenés dans les cimetières. Et que quand nous sommes arrivés à un cimetière, il nous vêtit, nous sommes. Oui, c'est vrai, frère et soeur. C'est dit, pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus parle effectivement d'une repère de démons et d'oiseaux impurs, Babylone la grande. Et c'est là. Si vous, c'est les lieux de la magie, de la sorcellerie, de la démonologie. Oui, monsieur, oui, madame. Les prêtres, leurs messes là qu'ils font, ce sont des invocations sataniques et diaboliques. Oui! Bien sûr, vous vous rendez pas compte, quand vous amenez les morales, notre cousin, il est allé, on a fait l'eau bénie dans le cercle. Tout ça, on le donne à Satan. Bien sûr que oui. C'est vrai, frère et soeur. Les prêtres que vous voyez là sont des magiciens, des démons. Bien sûr que oui, ils travaillent avec des démons. Oui! Ah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Ce qui doit vous importer, c'est la parole de Dieu. Dieu fait des prodiges et des miracles par sa parole. Lorsque nous croyons la parole de Dieu, eh ben, et Dieu accomplit aussi. Il faut que on sache être positionné en fait. Ne courez pas, parce que le Seigneur a dit, mais on vous dira que Christ est là-bas, et n'y allez pas. Mais où pourrons-nous aller, Seigneur, alors? Parce que bon, on nous dit qu'il est là, il est dans le désert, tout ça, ça pue à gauche et à droite. Mais où pourrons-nous aller? Il a dit, là où se trouvera le corps, eh ben, c'est là où s'assembleront. Vous qui êtes des rechercheurs des prodiges à gauche et à droite, qui sont des prodiges mensongers, effectivement, mais le peuple de Dieu dans le cœur, ce n'est pas ça qu'il cherche. Il sait que quand j'ai la parole, les miracles suivront. Je ne peux pas courir après les miracles. Non, je cours après la parole parce que les miracles suivent la parole. Vous le croyez? Amen. C'est la vérité quand même. Le monde était quoi? Les tohu-bohu, ténèbres. Vous vous souvenez? Les ténèbres partout. Il a simplement dit. Quand il a dit, les miracles suivent. Que la lumière soit. Il a parlé. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a vu. Et la lumière. Bon, terminons cela. Allez-y. Verset suivant. La passée impie se fera donc par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être toujours l'amour. N'oubliez pas ceci, frères et sœurs. Vous qui écoutez, je sais que beaucoup nous écoutent. N'oubliez pas ceci. Satan peut imiter tout. Vous connaissez quand même, quand vous voyez les prêtres, on peut imiter l'humilité toujours, vous savez, non. Il peut imiter tout, mais sauf l'amour. Parce que celui qui aime, il est vraiment de Dieu. Satan ne peut pas aimer, ses disciples non plus ne peuvent pas aimer. C'est pour ça que quand vos cousins, ces six grands-pères sont de la sorcellerie, ils n'ont pas pitié de vous. Ils peuvent vous offrir comme des poules. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il y a la haine. Quand quelqu'un, faut entendre cela, mais quand quelqu'un est dans son cœur est changé, il devient mauvais. Même ton propre père. Oui, quand il est sorcier ou qu'il est dans ton papa, il ne va pas t'aimer, il va tout faire. Il va chercher à pouvoir faire aussi. Parce qu'il doit faire des sacrifices quelque part. Ça ne doit pas si. Il va dire, ok, je vais épargner de mes, mais quand il aura donné les autres, il va dire, non, les tiens. Ah, oui, vous ne savez pas, mais c'est comme ça que ça marche.
Il n'y a pas de pitié dans les choses-là de Satan et tout ceci, ou quoi. Vous pensez que Satan cherche du bien aux gens. Non, c'est le problème, c'est vouloir détruire. C'est pour ça, ne soyez pas comme des enfants du malin. Toujours des problèmes dans vos maisons, avec vos maris, avec vos enfants, et toujours chercher de toujours comment pour. Non, c'est pas bon. Un enfant de Dieu, comme nous l'avons dit, vous savez. Amen. N'oubliez pas cela. Il marche toujours avec Jésus-Christ. Au reste, ce qui est vrai. Là, dans mon sac, c'est quoi? Le pardon, l'amour, la miséricorde, la joie et la paix. Il te rend la haine, moi, je regarde là-dedans. Qu'est-ce que moi, je dois remettre? L'amour. Il te soupçonne du mal. Qu'est-ce que moi, je dois remettre? Non, l'amour ne soupçonne point. Soyez comme ça. Vous aurez la victoire. Vous passerez les chemins, les démons vont s'écarter. C'est la vérité, frère et sœur. Oh, pour n'avoir pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ta parole est. Voilà. C'est ça les écrits, en fait. C'est-à-dire que nous nous accrochons simplement que à l'extérieur, Satan, qu'à gauche et à droite, qu'on passe par des moments, je m'accroche là. Il t'a fait, moi je l'aime toujours. Mon frère et ma soeur, on te secourra pour lâcher prise de ce que tu as. C'est pour ça que c'est dit, mais garde ce que tu as. Tu termines par ça? On est terminé? Et puis il dit que pour n'avoir reçu, pour n'avoir pas reçu l'amour de la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient. C'est pour ça que Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Ne va ni à gauche ni à droite, mais demeure seulement dans la parole de Dieu. Alors nous terminons par Apocalypse qui dit ceci, chapitre 3. Puis nous allons lever et prier ensemble. Là. Regardez, je pense que c'est cela. Oui, c'est d'accord. Il est dit. Verset 3. Et Apocalypse chapitre 3, il dit. Ah, verset. Bon, nous lisons à partir du verset. Chapitre 3, verset 7. Verset 7, il dit. Et qui donc, alors de l'église de Philadelphie, dit, voici ce que dit le saint, le véritable, vous y êtes? Celui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Donc si c'est ton Dieu qui ouvre, tous les démons, Satan lui-même peuvent secouer, personne ne pourra fermer. C'est pour ça que le nom de l'Éternel est une tour forte, les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Frères et sœurs, ce monde, il va y avoir des tribulations de malheur. Mais vous, ne craignez rien. Le temps sera difficile pour le travail, pour ceci, mais vous trouverez quand même. Vous, vous êtes un peuple mis à part. Nous l'avons entendu aussi les psaumes qui m'ont dit, ne touchez pas mes oins, ne touchez pas mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est pour ça quand même, le Seigneur voulait détruire, effectivement, il dit, mais d'abord, attendez jusqu'à ce qu'on puisse marquer. La destruction ne viendra jamais aussi longtemps que toi et moi nous sommes sûrs. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi est-ce qu'ils ont du pain et du blé aujourd'hui? Mais c'est à cause de votre présence sur la terre. Vous le croyez? C'est la vérité. Nous sommes le peuple de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Je continue. Hein? Voilà. Alors on dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Vous comprenez? Il veille sur son nom. Ah oui, que dans ta bouche à toi, qu'il n'y ait pas un autre nom. Que dans ton fin fond de ton cœur, qu'il n'y ait pas un autre nom. Les hommes sont les hommes, mais Dieu est Dieu. Voilà pourquoi que dans ton âme à toi, dans ton subconscient, peu importe la puissance que peut avoir un homme, il n'y a que Jésus le Christ, qui est au-dessus de tous les noms, que toi tu dois chérir son nom. Mais j'aime beaucoup l'écriture qui dit que celui qui n'aime pas mon Jésus, qu'il soit donc. Ah, ça c'est. Ah, je l'écris même sur la porte. Et l'épingle là aussi. Et dans ma Bible, la première page. Que Dieu soit béni. Nous aimons, nous sommes ça. Nous, on ne va pas nous supplier. Nous sommes censés pouvoir l'aimer.
Et que j'aime bien quand nous le chantons. Et quand on prie comme on y prie avec autant, je dis, il n'y a que Jésus. Même si je dois descendre là, je dois descendre avec ce nom. Je le serre dans mon cœur. Ah. Alléluia! Non, mon frère, nous devons revenir. Oui, Satan a toujours voulu mettre d'autres noms. Il nous donnait Père, Fils, Saint-Esprit. Ce n'est pas ça qu'on nous a donné. Non, 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 non. C'est Jésus le Christ. Je dois être baptisé en son nom. Que son nom soit prononcé à mes oreilles. Alléluia. Parce que quand je fermerai mes yeux, que j'entende son nom seulement, je sortirai. Oui, monsieur. Déjà sur la terre, j'ai jubile. Vivre pour lui. Aïe, aïe. Que Dieu soit béni. C'est vivre Christ. Grêle, il est où? Il n'est pas là aujourd'hui. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Bon, bref. Il est occupé. Alors, regardons. Alors, il dit ici, voilà, régner mon nom. C'est ça, nous sommes dans ça, non? Que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut. Donc, ils pourront se liguer contre toi. Ils pourront tout faire, effectivement. Toi, tu sais où tu t'es tenu, en fait. Et il continue en disant, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent donc juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je te ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. C'est merveilleux, hein? C'est savoir être aimé par le Seigneur. Pourquoi il nous a aimés aussi? Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Ces deux paroles que vous méprisez. Quand vous vous retrouvez avec vos membres de famille, vous faites des compromis avec eux dans les ceci, dans cela. Mon frère et ma soeur, toi reste toujours dans la parole. Même si je dois perdre mon père, perdre ma mère, perdre mon cousin, perdre ceci, à cause de la parole de Dieu, j'accepterai. Même s'il faut mourir pour cela, j'accepterai. Oui, parce que si toi tu es l'épouse de Christ, nous l'avons entendu, non? L'épouse est tirée de l'époux. Tu sais toi-même que tout ce qui est de l'époux est en toi. Voyez, oui. C'est comme cela, frère et sœur. Os de ses os, et aussi chair de sa chair, et aussi son esprit, qui était donc féminin, on l'a mis dans... Donc, Ève... était 100% Adam. Regardez, n'est-ce pas? C'est difficile à croire, peut-être. Hein? Bon, prouvez-moi le contraire, alors. Prouvez-moi le contraire. Bon. Si vous prenez une partie de ceci, et aussi les nerfs de ceci, vous le mettez, qu'est-ce que ça sera? Ça sera toujours une partie de moi. Ça sera comme 99% de moi. Non, ça sera 100% de moi. Vous comprenez? Ève a été tirée de l'homme. Il n'y a pas une petite partie qui soit venue du cheval ou d'une vache. Vous me comprenez maintenant? Donc, il a bien dit, frère, os de mes os. Et puis, il a dit, chair du cheval. Donc, chair de ma chair. Vous prenez Ève, vous la testez. Vous prenez Adam, vous testez 100%. Bon, si vous doutez. Alors, je me pose la question de pouvoir savoir qu'on dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et que tu ne m'as jamais. Alors, si nous sommes vraiment appelés l'épouse de Christ, Dieu doit respecter ses principes. Comme il l'a montré dans les Saintes Écritures. Hein? Vous vous souvenez? Aïe, aïe, aïe. Je l'ai passé un peu le temps.
Vous me supportez? Vraiment? Ok, bon, je dis, je vais m'arrêter ici. Bon. Si nous croyons les saintes écritures, donc Ève était donc Adam. Quand on voit, on croit sincèrement, maintenant qu'on a compris, qu'elle était donc 100% Adam aussi. Oui, non? Dieu nous confirme aussi qu'il était 100% Adam. Qu'est-ce qui, comment il nous le dit? Eh bien, ici. Hein? Il nous dit ici. Voilà, voilà. Genèse chapitre 5. Verset 1. Voici le livre de la postérité de qui? D'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, vous entendez cela? Il le fit à la ressemblance de Dieu. Maintenant, verset 2 dit, il créa l'homme et la femme. Il les bénit, vous entendez bien? Et il les appela des noms de qui? Et à qui est-ce que Dieu a donné le nom d'homme? Ce n'était pas Adam. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'il lui donna le nom d'Adam. Dans la version anglaise ou dans une version, effectivement, si vous pouvez voir, effectivement, oui, monsieur. C'est comme ça qu'on les a appelés. Donc, c'était 100% Adam. Mais maintenant, ce qui est nous, tout le monde, on parle, de l'église, effectivement, épouse, en fait, Christ. La Bible nous dit que, dans Éphésiens chapitre 5, en fait de présenter à lui-même une épouse irrépréhensible, sans tache, ni rien de semblable. Donc ça dit que sans reproche. Vous m'entendez bien? Vous suivez? Alors, l'épouse est comment et quoi effectivement aussi? Parce qu'avec Adam, nous savons qu'Ève était en lui. N'est-ce pas? Et puis, c'est comme c'était en lui, c'était 100% lui. Vous m'entendez? Vous me suivez? Alors, bon, maintenant, prenons pour l'épouse. On va dire bien, il va se présenter à lui une épouse sans tâche, irrépréhensible, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, 22, 23, 24. Vous vous souvenez? Bon, maintenant, avec ses liens, avec l'épouse, effectivement. Parce qu'il passe, quand il va se présenter, c'est une église, c'est une épouse, n'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, prenons dans le livre des Éphésiens. Éphésiens au chapitre 1. Le verset 3, il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4, il nous dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons quoi? Irrépréhensibles devant lui. C'est l'épouse qui doit être irrépréhensible, non? Donc c'est-à-dire que avant même que le monde soit, nous étions élus pour que nous soyons irrépréhensibles, n'est-ce pas vrai? Où est-ce que nous étions élus? Mais c'était en lui. Donc l'épouse était donc en Christ. Avant quoi ça? Avant la fondation du monde. C'est-à-dire que maintenant, si toi tu veux partir de l'épouse, mon frère et ma soeur, c'est pour ça qu'on nous a dit que pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité, si toi tu es de l'épouse, tu aimerais tout le temps la parole pure de Dieu, en fait. Pourquoi? Parce que la pureté de la parole fait partie de ta nature. Christ étant la parole, toi étant en Christ, tu as toujours été la parole. C'est pour ça que quand un frère ou une sœur, c'est pas des filles de Dieu, pousse un amen véritable à propos de la parole de Dieu, c'est parce que ça correspond en lui. Il a reconnu que ça, c'est... Les autres disent, mais pourquoi toujours, tu es toujours amen? Mais c'est parce que cette chose-là qu'il vient d'entendre correspond à ce qui est dit. Mais c'est la vérité. Je ne savais pas l'expliquer, mais c'est la vérité. Pourquoi je ne vais pas la musique? J'ai dit que cette parole que j'entends, mais là, là, ce que j'entends, ça, c'est la vérité. Donc, mais, alors vous verrez aussi des gens qui croient aussi au tonnerre, qui sont toujours émoussés. Alléluia, alléluia. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Vous me permettez quand même?
Parce que quand tu crois au tonnerre révélé et que tu es zélé, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de monde. Ce sont des signes que vous devez voir pour ne pas trembler. Parce que si tu es l'enfant de Dieu, Dieu t'instruit pour que tu sois ferme et que tu saches où te positionner. Vous savez, il y en a beaucoup dans ce qu'on appelle les messages aujourd'hui qui croient. La grâce, je veux dire que 99% sont tous des tonneristes. Ils croient au tonnerre. Partout où tu passes. Quand vous voyez un frère qui dit, frère Banamali, il est toujours frère Banamali, il y a toujours, ça sent le parfum du tonnerre derrière. Oui, vérifiez, vous allez vérifier, vous allez voir. Tous ceux qui sont là avec Banamali, blanana, il y a toujours le parfum du tonnerre derrière. Alors quand quelqu'un a le parfum du tonnerre et qu'il croit, dit, je crois au Saint-Tonnerre, je crois au tonnerre, effectivement, effectivement. Alors comprenez bien que cette personne-là n'a rien à voir avec Dieu. Pour quelle raison? Prenons dans le tonnerre en question. Vous avez le temps? Apocalypse chapitre 10. Voilà. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Ça, sans l'ombre d'un doute, c'est le Seigneur. Il tenait dans sa main un petit livre. Je ne vais pas rentrer dedans. Hein. Peut-être si Dieu permet dans les temps d'abri. Mais seulement, je vous montre quelque chose. Il tenait dans sa main droite, dans sa main, un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et sur son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Bon, maintenant, qu'est-ce que Paul disait à Timothée? Prêche quoi? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Prêche donc là. Et puis il dit, toute écriture est inspirée. Et puis quand on prend un Corinthiens chapitre 15, il dit, je vous ai enseigné aussi comme je l'ai, que Christ est mort, c'est long. Bon alors, quelque chose qui n'est pas écrit. Qu'est-ce que toi tu vas croire? Toi tu es appelé à pouvoir croire la parole. Ce que Dieu a eu à pouvoir dire et manifester par écrit. Oui, frère, c'est important que vous puissiez comprendre cela. Mais quand ce n'est pas écrit, moi, je suis appelé à pouvoir prêcher la parole. Chaque prédicateur appelé de Dieu doit prêcher la parole de Dieu. Bon, c'est ce que les tonnerres ont dit, ce n'est pas écrit. Bon, moi, je vais le trouver où? Oh, Dieu a suscité un puissant prophète. Mon frère et ma sœur. Dieu ne fait pas d'erreur. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans là-dedans. Parce que je sais, mais je veux que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez simplement voir les signes. Oui. Le pouce ne peut pas croire aux âneries. Il ne peut pas croire à des choses qui sont imaginaires. Même quand on parle de révélations, frère et soeur, je vous l'ai toujours dit. On amène les gens. Ah, Dieu m'a révélé, Dieu t'a révélé quoi? Parce que d'abord, qu'est-ce que c'est que la révélation? Posez la question. Révélation, c'est la révélation de Dieu. Mais non, non, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la révélation? La révélation, c'est la pensée de Dieu derrière la parole, au sujet de la parole qui a été prononcée. Parce que chaque parole, avant qu'elle soit prononcée, elle est d'abord une. Donc celui qui la prononce, c'est celui qui garde donc la pensée et qui connaît la pensée pour laquelle il a prononcé la parole. Donc si c'est Dieu qui l'a prononcée, il avait une pensée derrière. Et c'est Dieu qui doit me révéler la pensée derrière. Donc, on révèle donc la parole. Est-ce que vous avez compris? Donc, la révélation, c'est la révélation de la parole de Dieu. Mais quand ce n'est pas écrit, je vais recevoir la révélation de quoi? Alors, c'est là que les diables trouvent son domaine pour remusifier. C'est pourquoi tous les tonneristes ici, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Ils sont dans la main de Satan. Bien sûr que je le dis, je le proclame encore très haut. Hein, c'est moi qui dis. Hein. Et c'est biblique. Que tous les tonneristes là, ils disent, ah, nous avons, les prophètes, ils vont exalter tout ça. Ils sont dans la main de Satan, pas de Dieu.
Parce que pour être dans la main de Dieu, il a dit à Jérémie, moi ici, je ne veille pas sur le tonnerre, l'Éternel, je veille sur ma parole. Lève-nous, prions. Précieux Sauveur et tendre Père, nous voulons te dire encore merci pour ce temps béni que tu nous as donné, Père. Tu nous as vraiment consolés et fortifiés par Saint-Dieu au travers des chants et les cantiques et les psaumes merveilleux qui nous ont été lus encore ce soir, mon roi. Nous voulons vraiment nous sentir bien avec nos frères, par Saint-Dieu. C'est là que tu déverses, Père Tibi, Saint-Dieu, la bénédiction, Père Tibi, Saint-Dieu, la vie, Père Tibi, Saint-Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, c'est comme l'huile qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron. Louange à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te remercions encore et nous te louons, bénémoine Père Tibissant. Tu veux que nous puissions conserver l'unité de l'Esprit, Seigneur Jésus. Nous attacher à ta parole, à toi, bénémoine Père Tibissant. Tu as dit qu'il viendra un temps où il y aura le prêt pour ouvrir le monde entier, bénémoine Père Tibissant-Dieu. Mais tu as dit, nous devons garder ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous nous accrocherons. C'est vrai que nous serons haïs, tu l'as dit, Père Saint-Dieu. Parce que nous voulons demeurer dans ta parole, sur le fondement biblique sur lequel nous avons été posés, Seigneur, à savoir toi, Jésus-Christ, mon roi, béni soit ton Saint-Nom, Père Dieu. Nous voulons demeurer sur ce que les apôtres ont eu à pouvoir apporter, Père Saint-Dieu, comme cela a été dans l'Église, Père Saint-Dieu. Ce que tu as été, ce que tu as fait au commencement, tu le feras encore, Père Saint-Dieu. C'est vrai, tu rétabliras, tu ressauras, tu ramèneras, bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est à cela que nous voulons nous accrocher. Bénis ton peuple, qu'il soit béni et fortifié encore ce soir. Nous te rendons gloire et honneur, Père. Nous voulons sortir avec ta parole dans notre cœur, mon roi, comme la Bible dit, les psalmistes dit, Père Tibissant. Moi, je sers ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Oh, puisse mes actions être bien réglées d'après ta parole à toi, afin de ne point rougir. Mon Dieu, sois béni pour cela. Garde ton peuple, qu'il soit béni, qu'il soit fortifié. Nous te remercions pour ce soir. Nous sommes venus pour pouvoir t'adorer. Tu es descendu aussi, Père Saint-Dieu, pour nous bénir encore, Père Tibissant, au travers des chants et des cantiques. Ah, c'est merveilleux, au travers des psaumes, tu l'as dit, au travers de ta parole à toi, combien c'est harmonieux. Merci, Père. Bénis ton peuple et soutiens-nous, Père. Guéris, et voilà, tu les as guéris, Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, Père Tibissant. Merci, merci, notre Dieu. Nous voulons louer ton Saint-Nom pour tout le bienfait que tu nous as fait. Merci, merci, Père. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Viens, mon grand. Seigneur, sois béni. Je ne pense pas avoir reçu. Seigneur nous bénisse. Nous allons juste fredonner un cœur et nous allons nous lever et prier pour entrer à la maison. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Dans les 407. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus, nous prions, peut-être ceux qui divisent.